Bonjour, M. le sénateur. Bonjour, bonjour. Les libéraux accusent les conservateurs de se cacher sur l'enjeu de l'environnement avec... L'avortement, pardon, avec cette note qui a été envoyée hier aux députés pour dire de ne pas commenter ce qui se passe aux États-Unis. Vous pensez quoi de ça? Moi, je suis renversé qu'une histoire américaine fasse autant de tapage au Canada. C'est comme si on essaie de ressusciter un mort. Pour moi, ce dossier-là, il est mort, c'est réglé, puis qu'il y ait des gens qui essaient de ressusciter ça. Écoutez, je crois pas au miracle. Mais pourquoi avoir peur d'en parler? Pourquoi pensez-vous, Mme Bergen, disait à ses députés, parlez-en pas? Est-ce que c'est une crainte tant que ça que ça nuise au parti? Non, moi je pense que c'est ce message-là, c'est un message, je pense, qui était fait peut-être par quelqu'un qui, en termes de communication, là, manque un petit peu d'expérience, tout simplement. Je pense qu'il y a des députés qui sont exprimés après, puis tant mieux. Il y en a qui disent qu'il faut essayer de lutter pour augmenter l'accès à l'avortement au Canada, parce que dans certaines régions éloignées, par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas accès à des services. Vous pensez quoi de cette idée-là? Moi, je suis d'accord à ce qu'il y ait un accès égal partout au Canada. Partout. Pardon? En anglais là-dessus, c'est très intéressant. About the access? Say you guys are hiding on this issue. No, we don't hide anything. I think it's a subject that started in the United States, and I'm very surprised that we want to revive a dead body. So I don't think that for myself it's something behind us. Mm-hmm. And I know that there's some MPs want to revive that subject, but for us it's dead. And also we hope that the new leader will put a nail on that subject, and I hope that it will be Mr. Shoye. You should know there is a question about adequate access. Like, women across the country don't necessarily... I'm fully in favor that every woman in Canada should have the same right and the same access for abortion. Women, should they be permitted to come here to get abortions, if need be? Well, it's a matter of who will finance that. If a woman from, let's say, from the north, want to receive that kind of service, who will pay for? So if the government wants to create a program for those people, I'm agree with that. Yeah. Êtes-vous confortable avec le fait que M. Poilievre dans la course, je veux dire, en ce moment, ne se prononce pas sur cette question? J'aurais mieux mon match, je vais sourire. D'accord. Écoutez, un jour ou l'autre, il va être pris pour se prononcer. On ne peut pas, je pense, dans une course à chefferie, aller du blanc au noir ou situer une zone grise. Je pense que des chefs dans le passé ont tenté cette stratégie-là de vouloir plaire à maman, papa, mais ça ne marche pas. Il va falloir que M. Poilievre mette ses culottes et qu'il se prononce. M. Poilievre dit quand même qu'il n'appuiera pas, qu'il ne présentera pas de projet de loi pour limiter l'avortement. Vous ne le croyez pas? Non, moi je dis, est-ce que M. Poilievre est pro-vie ou pro-choix? Nous, on veut un chef qui est pro-vie. Excusez-moi, pro-choix. Donc, où il se situe, lui? Qu'il dise qu'il n'appuiera pas, qu'il ne sera pas là, ça c'est facile. Mais est-ce qu'il va être pro-vie ou pro-choix? On est un parti qui est pro-choix. Il y a des gens, je veux dire, qui tentent de ramener des vieux fantômes, mais je suis convaincu que le chef qui va être élu, si c'est M. Charest, ces fantômes-là vont rester dans le placard. You say that there are 80 MPs voted in favor of that sex selective abortion by private members. So can you really say that you're a pro-choice party? Yes, I think so. Yeah. Yeah, because I don't think that any bills who can be voted will pass through the Supreme Court. I'm sure. Do you think that all of your conservative colleagues would? The majority of them are pro-choice. Do you think that they would agree that the Conservative Party is a pro-choice party? Because many of them are. Majority. I didn't say that there's someone who tried to bring back some issue, but the majority are pro-choice. Bonne journée. Merci. Dr. Ellis, what do you make of the fact that there's this abortion issue that's being talked about, including access, right? This is obviously an issue even in Nova Scotia, right? So. You know, the interesting thing at the current time, there's a lot going on in Canada. And we've got an inflationary crisis, we have a housing crisis, we have a mental health crisis, we have an opioid crisis. The laws around abortion have not changed in Canada at the current time. We need to focus on our job and get these things done for Canadians. So you were talking about access, though. Was there access issues in Nova Scotia? Mr. Lake, what do you think about the level of abortion access in this country? You know what my focus has been over the last couple of days is the mental health file. I'm Shadow Minister for Mental Health, and as you might know, it's Mental Health Week. And the government in their budget, while making a promise in their platform to commit $4.5 billion to a Canada health transfer, and if you look at the costing in their platform,
In this year, they promised $250 million, but if you check out the budget, there's no Canada Mental Health transfer, and that's what my focus has been on. If you check out Health Committee from Monday, was asking health officials about that, and they didn't have any answers about it either. Thankfully, you know, even the person that gave the most, you know, most honest answer, I think, in that committee was Don Davies. He actually answered a question in committee when I asked him if the NDP supported the decision not to include a Canada Mental Health transfer in the budget. Don Davies says that no, they did not. So, I'd like to ask you. Sir, the mental health question. About abortion, sir, do you think you should hold up money, like money transfers to. Vous me feriez, pensez-vous que l'accès à l'avortement est un problème au Canada en ce moment? Est-ce que vous trouvez que le gouvernement Trudeau en fait assez, malgré les promesses qu'on a entendues ces dernières heures? Sincèrement, je pense que si vous faites le recensement de tout ce qui a été fait depuis 7 ans pour améliorer l'accessibilité et la sécurité aux femmes qui souhaitent se prévaloir de ce choix-là, bien, vous allez arriver à quelque chose de complètement nul, zéro. Donc, je pense que Mme Joly puis son gouvernement devraient peut-être se regarder au lieu de faire de la partisanerie avec cet enjeu-là, puis respecter que différentes personnes peuvent avoir des opinions différentes et qu'il y a différentes nuances en plus dans cet enjeu-là. Donc, vous trouvez ça un peu fort en café, qu'ils disent que les conservateurs se sauvent, le fait qu'hier, le chef disait on ne veut pas que vous commenciez, etc. Cet enjeu-là est présentement dans l'opinion publique, je le dis là, vraiment sincèrement et avec, avec cœur, extrêmement sensible, toxique même. C'est difficile d'en parler. J'ai partagé mon opinion personnelle via les réseaux sociaux. Je suis préoccupé, comme certaines personnes, de ce qui se passe présentement au sud de la frontière. Et je trouve malheureux que des gens en face de la politique partisane. Il y a des pro-choix, il y a des pro-vie dans notre organisation, les gens le savent. Il y a une majorité de mes confrères consoeurs qui sont des pro-choix comme moi je le suis, et on se respecte tous. Et je pense qu'on devrait continuer cet exercice-là de façon responsable et comme des adultes. Il va falloir un jour qu'on en parle et qu'on arrête de se cacher. Fait que c'est tout. En anglais, merci. Merci, M. Reyes.